Même en pleine ville et dans les parcs, on peut utiliser la navigation naturelle pour retrouver les directions. Ici, je me trouve à côté d'un cyprès de Leyland, du cultivar Gold Rider. Ce cultivar arbore une belle couleur dorée à l'extrémité de ses branches, mais cette couleur dorée ne se développe majoritairement que du côté le plus exposé au soleil. Alors que dès qu'on fait le tour de l'arbre, on commence à trouver des couleurs beaucoup plus ternes qui montrent un défaut d'ensoleillement. Ça signifie donc que le sud va être plutôt par ici, dans le sens de la coloration maximale, et le nord de l'autre côté, là où il y a plein de bruit et où il y a le périph' en fait.